Bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi, je vais très, 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 très bien. Je tenais à me présenter à tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube. Je suis Christelly Descochats, la YouTubeuse du moment. Comme vous le voyez, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Vous n'allez pas comprendre pourquoi elle est en natte collée en fait. Mais oui, je suis en natte collée parce qu'il faut que je vous montre une vidéo concernant la coiffure. Donc ça va être une vidéo courte qui ne va pas durer plus de 5 minutes. Normalement, je vais vous parler d'une perruque qui me provient encore de chez Uniair. Parce que comme vous savez, je fais la promotion des mèches de Uniair en tant qu'ambassadrice. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une perruque qui se porte en moins, clairement, vraiment, en moins de 2 minutes. Bon, 2 minutes, j'abuse. En moins de 5 minutes, on va dire. En moins de 5 minutes, je vous montrerai sous plusieurs formes comment vous pouvez la mettre. Et donc, voilà, je peux commencer la vidéo. Donc, c'est une perruque que j'ai reçue dans cette boîte-là, qui provient de chez Uniair. De chez Uniair. Et donc, à l'intérieur, j'avais la perruque que j'avais déjà ouverte, bien sûr. Hein. J'ai déjà ouvert pour regarder. Donc, la perruque, elle est comme ça. C'est une mini perruque afro. Une mini perruque afro avec le bandeau. Vous voyez? Vous vous rappelez de la perruque longue que je vous avais montrée, bouclée, mais avec le bandeau, ben là c'est la même chose, mais en plus petite, avec le bandeau comme ça. Donc du coup, là, je vais la poser sur ma tête. Vous allez voir que ça prend moins de 2 minutes à la base. Après, si vous voulez la coiffer, c'est sûr que ce sera un peu plus long. Donc là, elle est présentée comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que moi, je vais la mettre sur ma tête. Et je vais attacher voilà, vous voyez là, cette extrémité-là, à l'autre, de ce côté-là, comme ça. Oups. Et ça, ici. Voilà, après l'avoir bien posée, la perruque ressemble à ça. Donc là, comme vous voyez, on voit le bandeau qui est devant. Le but à la base d'une perruque comme ça, c'est que voilà, ça nous évite les closures, les lèvres frontales. Donc vous avez juste à la poser, c'est comme vous voulez. Mais moi, dans cette vidéo-là, je ne veux pas que le bandeau se voit. Donc je vais vous montrer sous plusieurs formes comment la perruque peut être portée. Donc là, cette perruque aussi, ce qui est bien, c'est que vous voyez, exemple, moi, j'ai pas trop de cheveux devant. Voilà, là, j'ai pas assez de cheveux pour faire de baby hair. Donc, ce que je peux faire, c'est que j'ai juste à faire comme ça. Vous voyez? Voilà. Déjà, là, j'ai réduit le bandeau. Donc, ce qui fait qu'on ne le voit plus trop. Là, ça fait comme s'il rentre de l'intérieur. Et là, ce que je fais, c'est que je la mets comme ça. Vous voyez? Et quand je la mets comme ça, ben, on voit plus le... On voit pas le bandeau. T'as l'impression que j'ai une afro genre. Vous voyez? Donc voilà, comme ça. Après, pour celles qui ne veulent pas que ça tombe sur les genoux, vous pouvez couper, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez la mettre comme ça. Donc voilà. Alors, comme ça, en première. Après, dans la boîte de Unis, vous avez aussi des... Vous recevez comment on appelle ça? Des bandeaux comme ça, des bandanas. Ils vous offrent des bandanas. Donc là, il y en a de plusieurs sortes. Je vais mettre un qui va un peu avec la couleur de ce que j'ai mis, on va dire. Celui-là, allez. Donc maintenant, si j'ai envie, admettons, de le mettre avec ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ceci. Donc là, maintenant,
je vais vous montrer une autre coupe qu'on peut faire. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attacher le tout en arrière. Donc voilà, je vous ai montré quelques modèles de comment on peut porter cette perruque. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Gros bisous.